propre et sans crachat. Parce qu'en général, après les concerts, il y a pas mal de crachats sur la cigarette. Et là, le nickel. C'est du bruit dans ma gueule. Une bouteille de gaz dans le train, savait pas ce que c'était. Les terroristes. Je bénis Corrèze Télévision. C'est parti. Gogol, bonsoir. Tu viens de donner un concert. As-tu le premier concert, as-tu ? Ouais, c'est la première fois. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait comme impression, le public, tes performances ? Bah, le public, beaucoup de bonheur, en fait. Beaucoup de plaisir. Ouais, ils étaient bien. Ils ont donné. C'est quoi le message de Gogol et la Horde, aujourd'hui, en 2006 ? Bah, si tu veux, le thème de cette tournée, c'est la dernière croisade. Donc, c'est une croisade, déjà... Sur de nombreux thèmes qui me dérangent, en particulier, tiens, bon, je commence par exemple le premier, la cigarette, tu vois. Bon, je viens de perdre un pote à moi, Bébé, le chanteur des Portemanteaux, qui est mort d'un cancer du poumon à 43 ans, tu vois. Donc, premier thème. Voilà, premier thème. J'ai parlé ce soir du problème des gens qui ont des maladies en prison, qui ne sont pas soignés, qu'on laisse mourir petit à petit, c'est pas normal qu'on ne s'occupe pas de ce problème. Puis beaucoup d'injustices, c'est toujours le problème du pouvoir de l'argent et les multinationales. Enfin, les thèmes sont nombreux parce que, si tu veux, il y a tellement de choses à faire. Enfin, je voudrais quoi, voilà, mettre ma graine dans tout ça. Est-ce que c'est nouveau pour toi de t'emparer de problèmes et de phénomènes sociaux ? Ou est-ce que ça a toujours été le cas ? Non, mais j'ai toujours fait ça. Enfin, je veux dire. Je pense qu'une chanson comme J'encule est assez claire. Et le message de J'encule ? Je pense que cette chanson-là, elle est très explicite, il n'y a pas à l'expliquer. C'est... Bonjour. Bonjour. Je voulais une carte exprès. Ah, mon Dieu. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est l'œil. Il manque un peu d'auteur, peut-être. Non, on va pas exagérer non plus. Voilà, l'œil qui voit. Bah, attends, on est en train de voir si c'est visible. Voilà. Ouais, mais moi, je pense qu'il faudrait faire une extension sur le haut. Non, 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 je veux vous écrire un guide. Bien sûr. Merci d'avoir reçu. C'est gentil. Me voici pour vous expliquer le but de cette ultime croisade. D'un côté, le pouvoir, et de l'autre, l'argent. Qu'avons donc et devons nous faire extraire de ce papier monnaie? Dites-moi, fidèle, venez monter sur l'autel de la consommation, brûler cet argent de l'enfer. Viens à toi, viens, 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 ose monter, brûler cet argent maléfique. Viens, 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 laisse ta bière, viens, monte.
cet argent de l'enfer. Tiens, viens toi, viens avec nous. Rejoins la onde. Ouais, dans cette tournée, j'ai terminé chaque concert avec, avec Jean Cul. Mais si tu veux, cette chanson-là, si tu veux, elle est interdite un peu partout, tu vois. Parce que justement, elle dérange encore. Je crois que cette façon de. Cette liberté que j'ai dérange. Mais je pense que c'est nécessaire de. D'avoir, de prendre un peu de liberté, tu vois, pour parler des problèmes de la famille, des parents, de la société. Et en rejetant tout ça, on peut se construire. Voilà le thème de la chanson. Est-ce que c'est un hymne punk, cette chanson? Est-ce que c'est un titre nihiliste ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière un peu d'espoir? Pour moi, c'est une chanson anarchiste. Si tu veux, ça renvoie à. On rejette, je rejette la société pour me construire. La société voulait pas de moi en chantant Jean Cul. Si tu veux, je trouve une place. Je trouve ma place, voilà. C'est une façon de me construire. On peut en revenir peut-être à la période présente. Cette tournée a combien de dates? Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les disques qui sont déjà publiés, les derniers disques, le dernier disque, et ceux peut-être à venir. Enfin voilà, les projets, le présent, le passé. Bon, cette tournée est une croisade. La dernière? La dernière croisade. Et donc on a commencé, bon, on a dû faire une dizaine de dates. Et si tu veux, je ne peux pas te dire exactement le nombre de dates qui reste à faire, parce que je le ferai. Bon, le nouvel album est un. Si tu veux, il y a des nouvelles chansons et des anciennes. Il faut dire que Univers Crade a perdu donc nos enregistrements. Nous avons été obligés de réenregistrer les titres. Donc ce sont ce qu'on peut trouver, ce sont des nouveaux originaux avec La Pêche Actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant toute cette période, on va dire 87-88, jusqu'à aujourd'hui? Voilà, je crois que c'est la période durant laquelle beaucoup de, on va dire, de tes fans t'ont peut-être perdu de vue. Qu'est-ce que tu as fait durant ces années-là? Bah, simplement, j'ai continué d'enregistrer des albums. Mais comme j'avais un site internet, gogol-pourmier.com, j'ai, si tu veux, sorti les albums qui ont été faits dans cette période uniquement sur mon site internet. Parce que si tu veux, je voulais plus trop entendre parler des maisons de disques, j'étais dégoûté. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Donc j'enregistrais et on peut trouver ces albums sur mon site. Voilà, ils sont pas. Donc c'est une période où tu as été resté en enregistrement. Est-ce que tu as pu réussir à tourner un peu? J'ai fait quelques concerts, mais surtout j'ai travaillé le son, le studio, enregistrement. Voilà, il y a eu des collaborations avec d'autres artistes? Oui, des musiciens, oui, oui. Tes projets pour l'avenir, voilà. Au sortir de cette tournée, qu'est-ce qu'il y a devant toi? Qu'est-ce que tu. S'il n'y a rien, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu envisages? Alors d'abord, cette tournée me permet de renouer avec mon public, ce qui est quand même exceptionnel. Parce que bon, comme tu as pu le remarquer, on remplit chaque soir les salles. Et il y a une cohésion. C'est-à-dire que j'ai l'impression que. On est en harmonie, c'est magique. Il y a une magie qui s'opère, une cohésion, une compréhension du public
Et ça, c'est fantastique. Parce que si tu veux, je me sens très proche. En plus, j'ai une équipe de musiciens superbe. Il y a Michael Zurita. Le bourgeois. Il y a Jean-Philippe Bernaud. Barbelino. Le gaulois. Il y a Olivier Munurea. Le Marseillais, qui est batteur, qui est pas là dans la pièce, mais qui a cassé sa batterie ce soir. Et, il a traversé la caisse claire avec sa tête. Et si tu veux, il y a une réelle harmonie entre nous. C'est-à-dire qu'on est, on a commencé d'abord par faire un premier concert, c'était pour fêter mes 20 ans. On a joué sur un camion podium et on a traversé... Barbès, la Goutte d'Or, les gens se mettaient aux fenêtres, ils applaudissaient, on jouait, on a été jusqu'à la porte de Clignancourt, on est remonté, enfin on a fait le tour de Paris, et ça s'est terminé place des Abbesses, et là une nuée de forces de police est arrivée et nous a débranché le courant. Mais en fait, ça s'est très bien passé parce qu'ils voulaient un autographe. Donc voilà, si tu veux, on avait fait ça parce que aussi, bon, moi j'habite. Sur la Goutte d'Or, et bon, on nous dit, ouais, la Goutte d'Or, il n'y a que des dealers, des drogués, etc., alors que c'est faux, il y a beaucoup d'artistes, et on voulait aussi montrer à notre visage du quartier, en jouant, parce que bon, moi je suis pour la Cour des Miracles, si tu veux, les artistes qui jouent dans la rue, bon, j'ai commencé dans la rue, et si tu veux, on avait fait aussi, dans les années, en 84, le concert devant Notre-Dame de Paris, qui a été aussi arrêté au bout de trois quarts d'heure par les forces de l'ordre. Bon, là, on a battu notre corps, parce qu'on a joué, je crois, trois heures. Ce qui est correct. Encore l'étiquette punk, ou est-ce que ça te semble réducteur par rapport à ce que tu fais, ta démarche intellectuelle, artistique? Est-ce que on a vu quand même ce soir déjà au concert beaucoup de punk et des fidèles? Est-ce que toi aujourd'hui tu te sens un peu à l'étroit dans ce style ou dans cette étiquette? Comment tu vois l'univers punk et comment tu te sens par rapport à ça? Mon étiquette, je sais pas, on m'appelle le pas punk. Gogol et la Horde dans un an, dans deux ans, dans trois ans, c'est quoi? Bah, si tu veux, là, je termine cette tournée, ouais. La dernière croisade. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire, j'ai des concerts à faire. J'ai l'impression que je suis dans la meilleure époque de ma vie. J'ai la force avec moi, j'ai la paix, je me sens bien. C'est des choses que j'ai maintenant que je... Bon, c'est vrai que quand j'avais 20 ans, je me sentais mal à l'aise, j'étais... tu vois, j'avais beaucoup de problèmes à régler avec moi-même. Grâce à la musique, je les ai réglés, donc je me sens mieux dans ma tête. Et donc, je me sens libre. Maintenant, je pense que... Je vais en profiter déjà. Tu prends du plaisir? À faire des concerts, à être moi-même, oui, beaucoup de plaisir. Ok, donc merci d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt, Gogol. Voilà, ton interview. Merci à toi.